Yo, salut à tous, quoi de neuf les amis, bienvenue sur ma chaîne les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, on est ensemble les gars, et likez aussi bien sûr, sinon tu serais une galère. Ouais les gars, aujourd'hui on va parler, aujourd'hui on va essayer d'analyser le son, le dernier son de Booba les gars, ok? Donc on verra, est-ce que il a fait le taf, ou c'est plus le même, on va écouter ça ensemble. En fait, je viens juste de voir que Booba a sorti un nouveau son. Donc voilà, on va écouter, on va donner notre avis et voilà, c'est parti, hein. Mais avant ça, oublie pas de t'abonner, mon gars. Oublie pas de lâcher ton com. Oublie pas de lâcher ton pouce bleu aussi, bien sûr. Ça mange pas de pain, les gars. On est ensemble. Sur ce, vas-y, c'est parti. J'habite une grande maison d'air. Pirates sont éternels, ils font tout pour nous démanteler. Enfer ou paradis, je me situe entre. Ça va, la guitare, piano, tout ça. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça commence, ça va en vrai. Hein. Ouais, mais attends, il y a un truc un peu. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui me dérange. Ah! Ah, il nous a. Ah, ok, d'accord, ok. En fait, il nous a sorti un bail de. Des discos, un bail de. Comment, la boîte de nuit. C'est ça? C'est un truc de DJ, ça, non? Parole, c'est un truc de DJ. Rof, il avait sorti un truc comme ça, les gars. Tout le monde l'a taillé. Hein. Il avait sorti un morceau qui s'appelle L'Animal avec Francisco, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez. Et tout le monde l'a descendu, machin et tout. Oui, c'est quoi ça? Et là, votre Booba, il. Putain, au début, avec le piano, tout ça là. Guitare, piano, en vrai, j'avais kiffé le truc, tu vois, le commencement. Mais là, ça finit comme ça. Mais gros, c'est quel bail ça? C'est quel bail ça, les gars? Moi, je suis. Eh, les gars, je critique ou pas, je donne mon avis. C'est juste que voilà, c'est pas du Booba. C'est pas du Booba. Après, Booba, en vrai, j'écoute plus. Hein. Tu sais, j'écoutais Booba à l'époque où, tu sais, Lunati, comme tout le monde, en fait. En tout cas, pour moi, les anciens, on a connu Booba à l'époque des Lunatic, pardon. Il était bon. Mais depuis, en fait, voilà, il fait des sons répétitifs, machin et tout. Voilà quoi, il est là, il attaque Rof, mais en vrai de vrai, il dit, ouais, Rof, il est bloqué, je sais pas quoi, les années 2000, mais lui, il est bloqué quelle année? Parce que l'autotune, ça, il a jamais changé en vrai. Son autotune, là, il a jamais changé, hein. Donc je comprends pas. Et surtout, ouais, j'ai vu l'analyse en fait, que l'analyse et l'album de Rof au Fitna. Malheureusement, la vidéo, elle a sauté. Frérot, il a écouté du début à la fin. Et genre, il a aucun morceau, il a kiffé. Aucun morceau, il a kiffé. Et là, tu viens, tu nous sors un bail comme ça. Frérot, arrête, mon gars. Baou! Si j'aime pas, je tire. Non, là, c'est abusé, là, gros. Putain, il a mon gun, là. Il a mon gun, là. J'y rigole. Attends, on avance un peu pour voir. Personne n'en est sorti entier. Tenez peur que de Dieu, j'habite une grande maison. Non. Désolé les gars. Moi je donne mon avis. Il y en a, ils vont m'attaquer. Ils vont me dire, ouais, t'es pas fan de Booba. J'ai écouté, attention les gars. J'ai écouté Booba à l'époque. J'ai écouté des sons à l'ancienne. J'ai kiffé ces sons sans. Moi Booba, je le préfère sans autotune. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon avis. Et à l'époque, il était bon. Tu vois pas? Moi, mon avis. Moi c'est mon avis à moi, tu vois. Il est bon, il était bon à l'époque. Là aujourd'hui, il y en a, ils vont le trouver bon parce que voilà, ils vont dire oui, Nanani, il est toujours là. Il essaye de. Voilà, il reste toujours authentique avec les jeunes. Frérot, le rap, on dirait, il y a des gens, ils ont oublié c'est quoi le rap en fait. Le message en fait, les gars, c'était un message en fait, un message positif, tu dénonçais des choses. Aujourd'hui, c'est. C'est rap discothèque, rap boîte de nuit, machin, etc. Mais quand c'est Rof, on le descend, frère. C'est quoi ça, frère? C'est une dinguerie, hein. Pirates sont éternels, ils font tout pour nous démanteler. Enfer ou paradis, je me suis. Eh, je te vois venir.
tu vas commencer à m'attaquer. Tu vas commencer à m'attaquer, à dire oui, nanani, nanana. Mon gars, laisse tomber, vas-y, on lâche l'affaire. Ici, c'est peace and love. C'est que l'amour ici. Donc voilà. Les gars, je suis vraiment désolé. Mais le son, je kiffe pas. Moi, le son, personnellement, je kiffe pas. C'est mon avis. Après, voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous. Peace and love. Amour sur vous. Et voilà. Booba, franchement. Entre les deux, il pensait que je bluffais. Je lui ai mis entre les yeux, enfer au paradis. Ça c'est, tu sais, quand t'as pris un truc, gros. Ça c'est quand t'as pris un truc, gros. Tu vois, t'es plus tout seul dans ta tête. T'es là, t'es. Tu sais, la musique dont. Vous voyez les sons là, dont j'étais à la boîte de nuit. Où t'as des trucs. Allez, ciao les gars. Je me situe entre